Salut tout le monde! Bonsoir! C'est pas grave d'avoir un Aragorn noir, on s'en fout. C'est de la politique, c'est pas canon. Les gens font ce qu'ils veulent. Si les gens veulent acheter, ils achètent. Ils s'en branlent, non? C'est comme les anneaux de pouvoir, hein. Si les gens veulent regarder, ils regardent, hein. Personne ne les force, hein. Moi je me suis fait payer pour les regarder, j'aurais pas regardé sinon. Voilà les gars, doucement, Tiger Senpai! Dis-moi! Zigouigoui, tiens donc! 14 mois, putain! Pas mal! Je vais vous apporter conseils et nouvelles. Pas mal, pas mal. Bah alors, je t'écoute, tu m'apportes quoi? Conseils, nouvelles? Non? Bah attends, t'étais là pour ça, non? Ah putain! Ouais, dans la marotte. Comme je vous dis, moi je fais à la dernière minute. Mais je crois que hier, quelqu'un m'a demandé Pépé, il y a quoi demain dans le Lord of the Rings? Mais j'en savais rien. J'en savais rien. J'ai trouvé ce matin dans la marotte parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Où ça me permet de faire le recoupement avec le Lord of the Rings précédent de la semaine dernière. Et puis j'avance dans mon lore comme ça en débroussaillant petit à petit, pièce par pièce du puzzle. Et voilà. Et comme ça, vu si je le fais le jour même, j'ai pas besoin d'écrire pour m'en souvenir. Vu que je l'ai fait aujourd'hui, bah ouais, j'ai une mémoire de boomer, j'oublie tout. Alors je dois faire le jour même, sinon c'est la catastrophe quoi. Ouais, Dol Amroth. Dol Amroth, c'est quand même connu. On a déjà souvent parlé de Dol Amroth. Il me semble. Attendez, je vais mettre mon chat sur mes photos. Hop. Voilà, ouais, bon, du blanc sur du blanc, qu'importe. Dol Amroth. Ouais, Dol Amroth est connu. J'ai fait un run sur Medieval 2, sur Divide and Conquer avec Dol Amroth. Et peut-être que les gens ont des. Bah, en fait, ils savent pas trop d'où ça vient, Dol Amroth. Pourquoi est-ce qu'on a. Déjà, c'est pas un royaume, Dol Amroth, hein. Je vais expliquer, on va le dire tout de suite, mais Dol Amroth fait partie intégrante du Gondor. Hein? Dol Amroth, depuis le jour 1 de la création du Gondor, Dol Amroth fait partie du royaume du Gondor, sert les rois du Gondor, les intendants du Gondor. Ils vont mourir pour eux avec allégresse et beaucoup d'entrain, mais Dol Amroth n'a jamais été indépendant, n'a jamais voulu l'être, et c'est simplement. Le Gondor est un état féodal. Vous voyez un peu Dol Amroth comme peut-être un des premiers vassals du roi. Puis des intendants. Voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas un état libre et indépendant. Il ne l'a jamais été. Là où le Rohan serait un état indépendant, mais qui a prêté serment d'aide au Gondor, Dol Amroth fait partie du Gondor, est une province du Gondor. Comment je prononce ça? Hein? Comment je prononce ton pseudo? Guain Nsoo. Comment je prononce ton pseudo? Merci pour le seum. Oh là là. Les gars, faut vous appeler 1, 2, 3, 4, 5 pour que ce soit plus facile pour moi. Là, merci pour ton seum, mec. Bon, j'espère que j'ai pas trop écorché ton nom. Mais bon, malheureusement, voilà. C'est des. Pas facile à prononcer. Hein. Faut te mettre à ma place. Hein. Un fief d'homme du Gondor, absolument. C'est un fief d'homme, c'est un état vassal. Du Gondor, il faut un peu voir le monde de Tolkien comme un état féodal aussi, hein, comme une société féodale. Et bah, les princes de Dol Amroth sont au service du roi du Gondor, puis de la lignée des intendants. Alors, rentrons un petit peu dans le détail. Je vais essayer de retracer l'histoire rapidement de comment on arrive bah, au prince Imaril et tout ça. Voilà, Zigoui qui fait putain, Zigoui, tu lâches du sub là! Doucement, Zigoui, t'en as déjà offert 18 sur ma chaîne. Merci, mec. Bon, tu me laisses commencer mon exposé, Zigoui, ou quoi? Le mec me file des thunes et en plus, j'en vois chier, c'est beau quand même. Ah, non. Merci, Zigoui, merci. Bon, ouais, on va aller dans le détail. Je vais prendre ma superbe carte. Donc, déjà, peut-être que les gens ne connaissent pas, ne savent pas où est Dol Amroth. Ça m'étonnerait. Donc, regardez là-haut, on a le Lindon, on reconnaît Bree. Je continuerai mon run demain soir sur Bree, j'ai trop envie de continuer, hein. Là, on a les monts brumeux, la Moria, Caradhrast, là, le Rohan, le Gondor avec Minas Tirith, et nous, on va s'intéresser à la péninsule de Belfalas. Donc, le terme de Dol Amroth, c'est une ville, Dol Amroth. La colline de Amroth, je vais expliquer qui est Amroth, mais le nom de la péninsule, géographiquement, c'est la péninsule de Belfalas, qui est sur la grande baie, le golfe de Belfalas. Et le nom de la région administrative dont les princes de Dol Amroth ont la charge, c'est Dor En Ernil. Voilà, Dor En Ernil, c'est le nom de la région
le nom de la région administrative. Vous avez la péninsule de Belfalas. Et Dolamrot est une ville. Voilà. Si c'était pas clair. Nous, on va s'intéresser à cette région-là. Et on va revenir à la fin du premier âge. Peut-être que certains ont zappé. Mais lorsque on est bien avant Numénor et tout ça, on est à la fin du premier âge. Hein. On est presque 5000 ans avant tous nos événements de la guerre de l'anneau et tout ça, voire 6000 ans. Ouais, putain, ça. On a Beleriand qui va sombrer dans les flots. Et il y a énormément d'habitants de Beleriand. Alors, comme je dis, Tolkien n'est jamais rentré en détail de comment Beleriand a sombré. Mais on part du principe que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Hein, il n'y a pas eu un gigantesque raz-de-marée de 100 mètres de haut qui a tué tout le monde. Ça s'est fait, ça a été un processus peut-être assez lent. Et il y a énormément de gens qui ont pu partir. On a vraiment dû avoir des peuples en exil. Et on sait qu'il y a énormément d'elfes, parce que on avait des grands royaumes elfes hein, qui restaient. Bon, Dorias avait pris cher, mais on sait qu'on avait encore beaucoup d'elfes en Beleriand. Et on va avoir un exode de ce qui reste de Noldor, de Sindar. On sait qu'on a énormément qui vont aller rejoindre ce qui va devenir le royaume du Lindon. On va avoir les Eregion, qui va être formé par, entre autres, Celeborn, Galadriel, des Noldor survivants, Celebrimbor et compagnie. Donc on va avoir un énorme appel d'air. En terre du milieu, de survivants, elfes, nains, d'hommes, qui vont venir s'installer sur pas mal de ces terres qui sont vides. Donc on avait déjà parlé de Eregion, mais il y a aussi des elfes, des Sindar, qui vont venir s'installer dans une petite ville. Donc voilà notre péninsule. Est-ce que vous reconnaissez Belfalas ? Donc là, je vais passer sur ma carte couleur. Et ils vont venir s'installer dans une ville. Donc on est avant les hommes, hein. Il n'y a pas d'hommes ici à l'époque. Il y en aura plus tard qui vont arriver. Est-ce que vous voyez au centre de la carte Edeland? Edeland. Donc c'est un nom très elfique. Edeland va être une base des Sindar. On a des Sindar qui vont venir s'installer ici, des elfes. Et dites-vous que ces elfes vont rester jusqu'à quasiment l'an 2000 du troisième âge. On va avoir une présence elfe dans la région, une influence elfe, pendant tout le deuxième âge et pendant quasiment 2000 ans du troisième âge. Et ça va avoir un impact, puisque c'est les elfes qui sont là en premier, et il y aura un impact culturel et sur tout ce qui va se passer ici un petit peu après. Donc les premiers habitants de la zone, c'est des elfes qui ont fui Beleriand, tout simplement. Attendez, je vais faire ça. Tac, voilà. Donc c'est des elfes qui ont fui Beleriand et qui se sont installés dans le coin. C'est des Sindar. Je le précise parce que ça a son importance. Donc c'est les Sindar. Les Sindar, on connaît pas mal de Sindar. Hein. Tout le royaume de Dorias, c'était des Sindar. Tranduil, même s'il est à la tête d'un royaume d'elfes sylvains, est un Sindar. Legolas serait aussi un Sindar d'éducation. Le Sindarin est parlé à Mirkwood. Donc on a, à Edeland, les premiers à se poser ici. Ça va être les Sindar. Mais ils vont pas être les seuls. Donc, attendez, est-ce que ma petite carte de Belfalas, comment est-ce qu'elle rend... Ok, là on voit Edeland. Donc Edeland est sûrement bien placé parce qu'on est dans une embouchure, on est abrité des tempêtes et tout ça. Donc là on est sur une carte tardive parce qu'on voit déjà Dol Amroth. Donc Dol, qui veut dire la colline, Amroth, on reparlera de qui est Amroth. Donc ouais, peut-être que mon autre carte est meilleure. Hein. Ouais, elle est meilleure celle-là, c'est plus clair. Hop. Au deuxième âge, donc alors que nos elfes se sont déjà installés ici, on va avoir des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants, vous pouvez vous en douter, on parle de Numénor. Les Numénoréens, qui vont commencer à partir du deuxième âge, et une fois qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont plutôt balèzes, qu'ils ont mis la fessée à Sauron, je vais éternuer, putain. Ah, dès que je parle de Numénor, c'est les anneaux de pouvoir, je suis allergique, hein, la catastrophe. Hein. Donc ouais, on a les Numénoréens qui vont, alors ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais les Numénoréens, qui sont quand même une puissance thalassocratique, militaire, sont des colonisateurs aussi, vont aller s'installer sur les rivages de Terre du Milieu, et sur tous les coins plutôt sympas, les embouchures, là où c'est protégé avec une bonne vision, partout où c'est facile à défendre, et les Numénoréens vont simplement aller se poser à proximité de Edeland. Donc on va voir les premières colonies numénoréennes qui vont aller s'installer juste en face de Edeland, dans ce qui viendra plus tard, Dol Amroth. Donc là, ce que vous voyez, Dol Amroth, qui n'est pas encore son nom d'époque, ça sera, c'est un nom qui arrivera au troisième âge, ça. Les Numénoréens vont aller s'installer en face de Edeland. Forcément, j'ai pas fait mon travail.
voici la petite ville de Edelon, donc là, donc c'est les elfes Sindar qui habitent là. Donc ça, je crois que ça vient de l'autre, mais ouais, il y avait un énorme tunnel pour rentrer, donc c'est un port, hein, c'était un grand port, hein, au deuxième âge. Donc, ça restera un port jusque à la moitié quasiment du troisième âge, ouais, jusqu'à l'an 2000. Donc les Numénoréens vont, on va avoir les Numénoréens qui vont venir exploiter ces terres, qui sont riches, il n'y a personne, les elfes font souvent un peu de ferme par chez eux, mais rien de très intéressant. Et les Numénoréens vont construire ce qui deviendra la future cité de Dol Amroth. Donc ils vont construire une grande forteresse en face de Elendon. Putain, j'arrive jamais à prononcer ça. Hein. Edelond. Heureusement que j'ai pas mon chat sous les yeux. Hein. Oh là 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 là. Et ouais, ils vont construire sur un espèce de une grande falaise. Ils vont construire cette grande ville qui est une grande forteresse qui est quand même plutôt facile à défendre. Ils vont y mettre d'ailleurs une énorme tour, la tour des gardiens de la mer, ou en Sindar, Tiris Aer. Donc là, vous avez le nom anglais du truc, mais en Sindar, ça donnerait Tiris Aer, et qui est en fait une grande tour qui est juste à côté de la ville. Donc on va l'appeler Dol Amroth par facilité, hein, même si c'est un nom très tardif. Voilà. Donc c'est les Numénoréens. D'ailleurs, ce sont des proches d'Elendil. Donc c'est un clan proche d'Elendil, donc ce sont des Faithful, donc ce sont des gens qui sont contre Ar-Pharazôn, qui vont s'installer dans ce coin-là. Ça aura son importance puisque eux, forcément, rejoindront au moment de la création du Gondor, à la fin du deuxième âge, lorsque Numénor sombrera dans les flots, bah eux, par intérêt et par bah ce sont des copains, rejoindront directement Elendil. Et le royaume du Gondor, et feront partie du Gondor. D'ailleurs, c'est Elendil le Grand, qui leur donnera le titre de prince. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la première lignée des princes. Puisqu'après, cette lignée va s'éteindre, je vais parler de comment ça va arriver, et on aura une nouvelle lignée, la lignée moderne des princes de Dol Amroth, que nous, on connaît, et dont Imaril, à la fin du Troisième Âge, fait partie. Donc ouais, pendant quasiment... toute la fin du deuxième âge, début du troisième âge, bah on a les premiers princes. Donc c'est pas Dol Amroth encore à l'époque, parce que Dol Amroth c'est vraiment la fin du troisième âge. On a les princes de ce camp-là qui sont au service des premiers rois du Gondor. Ils mouillent le maillot. Ils ont la chance d'avoir des terres plutôt fertiles. Ils sont bien planqués sur leurs rochers. Et il faut aussi qu'on parle un petit peu de la proximité des elfes, parce que tout ce petit monde s'entend plutôt bien. Faut comprendre que le port de Edeland, donc qui est juste à proximité de la ville, au troisième âge va devenir un des ports de départ pour aller à Valinor. Souvent, on se focalise sur le Lindon, donc le Lindon, les Havres Gris, mais Edeland est aussi un des grands ports de départ des elfes. Et plutôt que de faire toute la traversée parfois sur des terres un peu dangereuses pour aller jusque aux Havres Gris, on préfère passer par le sud et prendre le bateau à Edeland. Les derniers elfes partiront d'Edeland et abandonneront la ville vers l'an 1980 du Troisième Âge. Donc on va avoir quand même une présence elfe pendant près de 5000 ans dans ce coin-là. Et on sait qu'on va avoir des mariages mixtes. On va avoir des Numénoréens qui vont épouser des elfes du coin. Et l'influence elfe au niveau culturel et physique sera toujours présente à Dol Amroth. Ah, les joies de l'interracialité, les gars. Quand c'est bien fait et que c'est bien amené en termes de lore, ça passe très très bien. Faut juste bien l'amener, voilà, et bien l'écrire. Voilà encore une belle occasion pour montrer quelque chose de sympa. Donc ouais, on a nos elfes d'Edelon, bah, qui sont avec les Numénoréens dans le coin, et tout ce petit monde s'entendra très bien. J'ai rien lu de quoi que ce soit sur des possibles tensions. Tout ce petit monde va coexister, cohabiter, sans aucun problème. Au point que... Le Sindar, donc qui est vraiment la langue elfe, une vieille langue elfe maintenant, une vieille langue elfe de Beleriand, bah, est toujours parlée par les habitants de Dol Amroth. Donc les habitants de Dol Amroth parlent la langue commune, mais ils parlent aussi le Sindar. Ce qui est très amusant, c'est que même à la fin du Troisième Âge, alors qu'il n'y a plus d'elfes depuis quasiment 1000 ans, à Dol Amroth, on parle encore le Sindar, c'est un peu la langue locale qui est apprise à tout le monde. La langue commune et le Sindarin, au point que bah, faut imaginer un pécor de Dol Amroth pourrait parler avec le roi Thranduil ou Legolas, le Sindar.
Ce qui est encore une connotation assez amusante de la culture elfe qui a survécu et perduré malgré que les elfes sont partis. Donc là, on va faire un bond au troisième âge. On va faire un bond, donc pendant 2000 ans, tout ce coin-là va servir les rois du Gondor. Donc comme je vous dis, c'est une principauté, c'est un des plus gros fiefs et un gros vassal d'Elendil et de ses successeurs, des rois du Gondor. Et ils serviront militairement, économiquement, les rois du Gondor. Donc là, on a, nous, les... Alors, pourquoi Dol Amroth? Dol Amroth. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est Amroth? Amroth, c'est indirectement, j'en ai jamais parlé, mais vous connaissez des personnages liés à ce personnage. Qui est Amroth? Qui est quand même c'est un elfe. Une idée? Le chat de PGM. Qui est Amroth? Si quelqu'un trouve... Sans aller voir sur Wikipédia! Forcément! Un mec qui rote. Putain. Tengrin, j'en étais sûr. Toujours dans les mauvais coups, Tengrin, hein. Ah là là. Amroth, pas facile à trouver, hein. Amroth, c'était le roi de la Lothlorienne. Un Sindar aussi, d'ailleurs, lui aussi. Un Sindar. Et c'était l'ancien roi de la Lothlorienne avant Galadriel. Parce que... Quand j'avais parlé de Galadriel, j'avais dit que Galadriel avait eu le pouvoir assez tardivement avec Celeborn. C'était devenu les protecteurs à la suite que le roi s'était barré. Et ce roi, c'était Amroth. Donc qu'est-ce que Amroth vient foutre au sud du Gondor? Alors Amroth, qui était donc le roi de la Lothlorienne au troisième âge, donc on est en 1900 du troisième, on est au moment où le Balrog va se réveiller dans les mines de la Moria. J'insiste sur le Balrog. Parce que c'est ce qui va provoquer certaines choses avec carrément le protecteur et roi de la Lothlorienne qui va se barrer. Alors pourquoi il va se barrer en laissant tout le monde derrière? C'est que Amroth, donc on est à l'an 2000 du troisième âge. Hein? Voilà. Il est follement épris d'une jolie elfe du coin. Eh ouais, c'est une histoire de fesses. C'est une histoire de fesses, une histoire d'amour. Une histoire d'amour très tragique. Et il s'avère que Amroth veut à tout prix se taper Nimrodel, qui est une jolie elfe du coin. Et Nimrodel, elle voit avec effroi la guerre arriver avec le Balrog, les nains qui fuient, les mines de la Moria. Et Nimrodel sombre un peu dans le désespoir devant le retour des combats, le retour de la guerre aux portes de la Lothlorienne. Elle avait déjà eu des soucis parce qu'elle aimait pas trop les réfugiés qui étaient venus de Beleriand et tout ça. Allez, voilà, c'était pas la caille du coin la plus sympa, Nimrodel. En tout cas, Amroth, qui est quand même le roi du coin, hein, il veut à tout prix se la farcir. Et il va lui dire que, écoute, qu'est-ce que tu veux en échange d'un mariage? Puis elle va lui dire, écoute, on se marie uniquement si tu m'amènes dans le coin le plus calme. J'accepte de me marier que si on est dans un endroit vraiment en paix. Et Amroth, il va se dire, le seul endroit où je suis sûr d'être tranquille, c'est Valinor. Donc il va décider de se donner rendez-vous avec Nimrodel à Endeland, donc le port du sud, Endeland, parce que il y a encore des bateaux, il y a les derniers bateaux qui partent, parce que quasiment tous les Sindar ont quitté déjà la ville de Endeland. Je vais mettre l'autre petite photo sympa. Donc ouais, quasiment, il reste encore une poignée de bateaux. Et Amroth va simplement faire le chemin, pour une raison qu'on ignore, Nimrodel n'est pas, partiellement un petit peu après, 100% il y meurt, absolument. Il va y mourir tragiquement, il va attendre Nimrodel qui n'arrivera jamais, on ne sait pas pourquoi, il va mourir noyé après une grosse tempête, il va vouloir aller choper le dernier bateau qui a cassé son amarre, et Amroth va mourir noyé à Edeland. Tout le monde s'en souviendra, puisque on considère que c'est le dernier bateau, ce bateau qui a cassé. C'est le dernier bateau à avoir quitté Edeland. Et la ville, après ça, va être abandonnée. Amroth est noyé. Et la colline de Amroth, Dol Amroth. Voilà d'où vient le nom de Dol Amroth, tout simplement. On ne sait pas dans le lore ce qui est arrivé à son aimée Nimrodel. Elle a simplement disparu. Voilà. On ne sait pas si elle est morte noyée, si... On ne sait pas. Mais on sait qu'elle n'était pas venue seule, elle était venue avec pas mal d'elfes, vu que c'était quand même quelqu'un d'important à la Lothlorienne.
Et on va reparler de d'une de ses suivantes qui, elle, a survécu. Donc, en tout cas, voilà. Donc, on est en 1981 du troisième âge. Et le nom de Dol Amroth commence à ce moment-là. La colline de Amroth, Dol Amroth. Parce que c'est le promontoire où il y a la ville créée par les Numénoréens. Tout simplement. Regardez, j'ai une jolie petite photo. Voilà, les amoureux transis qui, malheureusement. Les deux sont morts, on pense, hein, tout simplement. Ou peut-être que, par une raison qu'on ignore, peut-être que Nimrodel a réussi à atteindre Valinor, mais ça serait étonnant. Mais comme je dis, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Voilà. Alors, pendant ce temps, donc voilà d'où vient le nom de Dol Amroth, c'était une petite parenthèse. D'ailleurs, comme ça, vous saurez que le roi avant Galadriel, c'était lui. Au même moment, les rois du Gondor ont des problèmes. Le roi Hodoer, le 35e roi du Gondor, l'avant-avant-dernier roi du Gondor, et ouais, on approche sur la fin de la lignée des rois, le roi Hodoer, pendant que Amroth essaie de se taper le merdier, enfin, c'est quelques années avant, le roi Hodoer va être tué au combat. Est-ce que vous vous rappelez de... J'avais parlé des Vanriders, ce peuple du Nord, un peu apparenté aux Runes. Les Vanriders avaient envahi le Gondor, et l'armée du Gondor avait été envoyée au combat, donc le roi Hodoer, ses fils et leurs généraux, avec une très grosse armée, étaient partis au combat et avaient été défaits dans une terrible bataille où le roi Hodoer avait été tué avec ses trois fils. Terrible, hein? Le roi du Gondor et ses trois héritiers tués au combat. Et vous aviez un autre personnage qui était là, un de ses premiers généraux, Adrail Ier, qui était le prince de Dol Amroth. Donc, les princes de Dol Amroth, on les appelle pas comme ça, pour pas confondre avec la lignée tardive dont je vais parler. Mais lui aussi était là, et c'était un des généraux, un des généraux de Hodoer. Donc, c'est la preuve que les mecs de ce coin, donc les rois, les princes de Dol Amroth, commandent pour le Gondor et sont présents avec leur armée. Et donc, le roi va être tué, les trois héritiers vont être tués, Adrail avec son armée. Vont aussi disparaître au combat, un désastre hein, pour le Gondor, cette bataille de 1944 à la MG42 devant la Porte Noire. Mais ouais, le Gondor va prendre une fessée absolument terrible. Donc pour vous compreniez un peu où on en est, voici mon énorme arbre généalogique des rois du Gondor. Vous reconnaissez Anarion, allez, voilà, et nous on va aller tout en bas. On est à la fin du troisième âge. Voici le dernier roi à Aernur. Et voici Hodoer. Vous le voyez Hodoer au centre, ses deux fils tués, pardon. Et nous, bah forcément, ils vont trouver un nouveau roi, vu qu'il n'y a plus d'héritier. Ils vont mettre sur le trône Aernil II. Mais nous, on est à cette époque-là. Donc Hodoer est tué. Et voilà les deux derniers rois du Gondor, Aernil et Aernur. Donc c'est à cette époque qu'on va avoir la nouvelle lignée qui va arriver sur le trône. Sur le trône de Dol Amroth. On peut, bah voilà, maintenant on peut les appeler comme ça, Dol Amroth. Donc, notre roi, Adrail, était, malheureusement, n'avait aucun héritier. Et le trône de la principauté se retrouve vacant. On n'a personne sur le trône. Donc, lui-même descendait d'une famille de Numénoréens. Hein, donc, c'était le dernier descendant de cette famille de Numénoréens qui avait installé la ville. C'était de père en fils. Et malheureusement, toute la lignée a disparu au combat, tout comme le roi du Gondor. Et c'est un de ses capitaines, à Adrail, qui va reprendre le flambeau. Hop là! Et ce personnage est important puisqu'il s'agit de Imrazor. Donc c'est un de ses capitaines. Bah ouais, il n'y avait pas de descendant. Donc on a pris un mec pas trop con, qui savait se battre, plutôt jeune. Et on va mettre ce bonhomme-là, qui va quand même vivre 50, 50, putain, il va vivre 76 ans quasiment. Et ils vont le mettre sur le trône. Lui, c'est Imrazor, de son vrai nom Edraelion Imrazor. Et c'est lui qui va devenir, son fils va devenir le premier prince de Dol Amroth. Mode de la lignée moderne. Donc Imrahil, voici l'aïeul lointain du prince Imrahil, qui est un des héros de la guerre de l'anneau qu'on connaît à la fin du Troisième Âge. Donc lui va assister. C'est sous son règne qu'on va avoir le dernier roi du Gondor, puisque Aenur va être tué. Enfin, on ne sait même pas ce qui va arriver à Aenur. Il va être provoqué en duel et il va aller mourir à Minas Morgul, sûrement peut-être tué en duel. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, en 2050, le dernier roi du Gondor disparaît
On va avoir le règne des intendants. Et c'est quasiment à cette époque-là qu'on va avoir le premier prince de Dol'Amroth qui va arriver, même si Imrezor n'est pas considéré comme le premier prince de Dol'Amroth. Hop là. Donc voilà notre... le nouveau patron de Dol'Amroth. Un peu, bah, bon endroit, bon moment, pas trop con, on lui donne le job. Et il devait quand même être pas trop con puisqu'il va se marier avec une elfe du coin, qui était une suivante. Vous vous rappelez de Nimrodel? De Nimrodel, la douce qui a disparu. Ben, elle n'était pas venue seule. Et ben, notre nouveau prince, il va se marier avec une des suivantes. Avec une des suivantes, donc qui est une elfe. Donc on a un nouveau patron de Dol'Amroth qui est marié avec une elfe, ce qui est quand même à l'époque suffisamment rare pour être noté. Donc il devait être plutôt beau gosse de base. Et pas trop con non plus. Et son fils, Galador, leur fils, Galador, va être le premier prince de Dol'Amroth. Voilà. Le premier prince de Dol'Amroth, de l'époque moderne, c'est lui. Voilà. C'est... Donc lui est un demi-elfe. Hein? Lui est un demi-elfe. Et tous les princes de Dol'Amroth qui vont suivre derrière, puisque je crois que... voilà tous les princes de Dol'Amroth, avec les dates. Regardez, Adrail. Adrail qui va être, voilà, qui était le prince de Belphalas, qui va être tué au combat. Imrazor, qui va se marier avec la minette. Hop là, donc la minette s'appelle Mithrelas, hein, voilà, je ne l'avais pas dit. Ils vont avoir le fils Galador, qu'on considère, regardez, comme le premier prince de Dol'Amroth. Et lui va vivre 125 ans. Hein. Eh ouais, le sang elfe, c'est un demi-elfe, hein, il va vivre 125 ans. Donc déjà de base, il y avait peut-être du sang numénoréen. Et en plus, maintenant, on rajoute du demi-elfe. Ils ont un sang prolifique, hein, à Dol'Amroth. Hein. Donc ouais, voilà le premier prince de Dol'Amroth de l'époque moderne. On va dire ça comme ça. Et tous les princes qui vont suivre, bah, c'est les fils. On ne connaît pas leur nom, mais ce sont les fils bah, de Galador et compagnie, etc. Et Imrahil, le prince Imrahil, bah, qu'on connaît plutôt bien, descend de ces personnages. Donc Imrahil a du sang elfe. Hein? Imrahil, il a du sang elfe. Tout ça, ce sont des... Il y a du sang elfique qui se balade dans la lignée. Je trouve ça très amusant, le merdier, voilà. Donc ouais, toute la lignée des princes, les princes de Dol'Amroth, vu que c'est maintenant comme ça qu'on peut les appeler, les princes de Dol'Amroth vont faire le coup de feu aux côtés du Gondor, seront de toutes les guerres. Les rois du Gondor ne sont plus, mais les armées de Dol'Amroth et les généraux de Dol'Amroth, les princes de Dol'Amroth serviront les intendants avec autant de ferveur qu'ils ont fait les rois, qu'ils ont servi les rois du Gondor. Et jusqu'à Imaril, qui est un personnage important, puisque vu que c'est quand même les mecs, c'est le premier fief du royaume, ce sont quand même des gens importants, on va passer... On aura, au fur et à chaque génération, on aura des mariages entre les princes et princesses de Dol'Amroth et les princes et princesses, les fils et les filles des intendants. Et là, on rejoint... On rejoint la semaine dernière, le lore de la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez? Hop là, donc voilà Adrail. Donc on avait Imaril, donc le prince de Dol'Amroth Adrail a eu en fils Imaril. Donc Imaril qui est le prince au moment du merdier. Et il a marié sa fille Finduilas, Adrail, donc la sœur de Imrahil, il l'avait marié à Denethor. Donc Denethor était marié à une princesse de Dol'Amroth, simplement pour... on se marie avec les mecs les plus balèzes du royaume, c'est une manière de fortifier un peu les liens, et tout ça. Donc ouais, Denethor était marié quand même à une princesse de Dol'Amroth, qui elle-même avait du sang elfe lointain. Donc comprenez que Faramir et Boromir ont du sang elfe. Les neveux de Imrahil... Faramir et Boromir ont du sang elfe très lointain dans les veines. Donc c'était à l'époque quelque chose d'assez commun de faire ce genre de mariage. Et ça continuera même après les événements qu'on connaît.
puisque Imrahil, et ouais, j'avais aussi précisé que c'était Imrahil bah, qui avait sauvé Faramir, son neveu, et qui l'avait ramené à Denethor, qui avait failli le brûler dans sa folie, mais Imrahil est un des généraux, comme ses ancêtres, Imrahil est un des généraux de l'intendant Denethor. C'est un des grands patrons du Gondor. Et quand Denethor se suicidera, et qu'on a Aragorn et qui va devenir roi et les Sardeux, bah, Imrahil sera encore un des généraux de Aragorn et fera des campagnes pour Aragorn, tout comme Faramir sera aussi un des généraux d'Aragorn. Donc, même, comme je dis, ils sont indéboulonnables, les mecs de Dol Amroth. Tout simplement, parce que bah, ils ont un des fiefs les plus puissants du royaume, ils fournissent une armée. Il me semble qu'à la bataille des champs de Pelennor, le prince Imrahil, il arrive avec 700 chevaliers quasiment. Donc ils ne viennent pas les mains vides. Ils apportent une contribution militaire, mais aussi financière. Donc c'est normal qu'ils soient... on fortifie les liens avec quelques petits mariages, par-ci, par-là, quoi. Et ça va continuer, puisque Imrahil, donc le prince Imrahil, bah, il a trois fils et une fille. Hein, trois fils et une fille, donc on aura sans aucun doute les futurs princes de Dol Amroth au quatrième âge. Et bah, il va aller marier Lothiriel, donc qui est la fille de Imrahil, il va aller la marier à Éomer. Éomer, bah, qui est notre roi du Rohan. Donc on va fortifier les liens Dol Amroth Rohan en mariant le prince de Dol Amroth va marier sa fille au roi du Rohan. Donc c'est simplement la pratique qui continue. C'est la pratique qui continue de tout le temps marier les princesses aux autres royaumes alliés et tout ça. Donc ouais, Éomer, il a fait une bonne affaire, Éomer. Hein. On récupère le trône du Rohan suite à la mort accidentelle. Ouais, bon, hein, voilà. Théoden, il était vieux de toute façon. Et puis en plus, il va se gratiner la très mignonne fille de Imrahil. D'ailleurs, on précise, mais Lothiriel, c'est elle la patronne. Quand Imrahil part à la guerre, c'est Lothiriel la patronne. C'est elle qui siège à Dol Amroth et c'est elle qui commande. Hein, donc Lothiriel, elle devait pas rigoler quand même. Hein. Et Homer, il a qu'à bien se tenir, hein, parce que... Si papa donnait le merdier à la fille, à sa fifi, c'est qu'elle n'était pas là pour... elle n'était pas là pour jouer de la harpe. J'ai oublié de le dire. Mais ce sont les meilleurs harpistes de Terre du Milieu. C'est les restes des Sindar. Mais à Dol Amroth, la musique est mise en avant. Et là, ce sont d'incroyables joueurs de harpe. Ils seront de tous les couronnements des rois du Gondor. Ce sont de fantastiques harpistes. Donc ouais, la fille Lothiriel ne jouait pas que de la harpe, hein. On va dire ça comme ça, voilà. Donc ouais, ce sont des harpistes, et même dans le Retour du Roi, Tolkien souligne qu'il y a des harpistes de Dol Amroth qui sont présents au couronnement d'Aragorn. Parce que, et même Imaril est un harpiste, est un excellent harpiste. Donc ouais, la harpe, j'aime beaucoup, c'est les restes de la culture elfe, tout ça. La harpe, le fait qu'il parle Sindar... donc ça doit être amusant de voir Imrahil et ses fils qui peuvent parler en Sindar sans aucun doute, hein, à Legolas par exemple, parce que bah, ça c'est des restes de la culture elfe vraiment là. Alors j'ai parlé des princes de Dol Amroth, bah, les princes modernes bah, qui ont du sang elfe, puisque un des premiers princes, enfin presque le premier prince était marié à une elfe, mais vous avez aussi dans la population locale, on a eu des 5000 ans de présence elfique dans le coin, où ils étaient assez nombreux, bah ça... Forcément, ça... Donc ils sont tous dépeints comme plutôt beaux gars, ils sont plutôt beaux, les gens de Dol Amroth, on comprend pourquoi, voilà. Bon, mais ouais, je vais remettre ma petite carte. Alors, il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas sur Dol Amroth. On ne sait pas vraiment les relations qu'il y a eu, entre autres, avec Umbar. On sait que Umbar a raidé au troisième âge. On ne connaît pas grand-chose des activités navales de Dol Amroth, mais sans aucun doute que Dol Amroth était une puissance navale, parce que bah, on sait que Dol Amroth était assiégée, donc la ville a été entre autres mise sous blocus, assiégée et prise par les corsaires de Umbar temporairement. Mais Tolkien n'a rien écrit là-dessus. On ne sait pas vraiment...
Il y a tout un pan de l'histoire de Dol-Amroth qui n'existe pas. Ça commence véritablement au troisième âge, avec Amroth qui se noie, et après, on commence à avoir des noms en 1944 avec la mort du dernier de la lignée des Numénoréens qui était sur place, et la montée en puissance des princes modernes de Dol-Amroth. Mais on sait pas grand-chose de 2000 ans du troisième âge, de ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre civile. Et tout ça. Mais sans aucun doute qu'il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de contenu, mais Tolkien n'a pas écrit dessus malheureusement. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. Non mais Imari, il est super beau gars, hein. Et en fait, les gens de Dol-Amroth ne sont pas les plus moches, hein. C'est pas juste les princes, quoi. Voilà. Donc ouais, voilà pour Dol-Amroth. Donc la conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Dol-Amroth? Dol-Amroth n'est pas un état indépendant, ne l'a jamais été. C'est le premier vassal et le premier fief du roi. Et généralement, le prince, même avant que ce soit les princes, donc les gouverneurs de la zone, étaient des généraux pour les rois du Gondor, parce que ils amenaient avec eux une armée, et c'était parmi les plus hauts nobles des familles nobles du royaume du Gondor. Donc forcément, quand vous êtes un haut noble, vous commandez pour le roi. Et on voit que le dernier gouverneur prince va se faire tuer au combat, et qu'on aura un nouveau prince qui va arriver, qui va se marier avec une elfe. Donc ça va mettre encore plus en avant la présence de la culture elfe dans ce coin-là. Et voilà. Donc c'est assez intéressant quand même dans la broche. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais un point de ça si tu veux, Pépé. Non, t'embête pas, va. T'embête pas, va. J'allais sur Discord. Ouais, tu la mets dans Artwork. J'irai voir ça. Et t'as le droit de me taguer. Tague-moi au cas où j'oublie. Voilà. Et dis que t'as la permission de me taguer, sinon il y en a un qui va arriver et qui va te mettre un gros Théo. Donc ouais, voilà pour Dol-Amroth. Donc malheureusement, il nous manque beaucoup de l'histoire de Dol-Amroth. C'est dommage. Parce que c'est un coin très intéressant au niveau historique. Moi j'aime beaucoup le fait que les elfes ont été présents pendant 5000 ans et ont beaucoup influencé. Simplement Dol-Amroth et son histoire, et aussi les gens, la culture, et tout ça. Voilà. Bon, je m'arrête là. Demain soir, je continuerai avec Brie. Et là, il est quelle heure? Il est quelle heure? Parfait. D'ici une petite heure, j'irai chiller sur Stardew Valley. Voilà. Je vais continuer mon petit run tranquille de soirée sur Stardew. Et demain soir, je continuerai Brie. C'est déjà pas mal. Bon, il y a beaucoup de demi-elfes. En tout cas, il y a beaucoup de sang elfe qui a dû perdurer. Donc, sûrement, le sang elfe se perd au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup de sang elfe. Les gens, peut-être. Pas de DEI. Non, pas de DEI. J'ai déjà fait du DEI hier, putain. Du DEI, sûrement lundi soir. Voilà. Faut pas être pressé. Tranquille. Bon, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Bonne soirée. Peut-être tout à l'heure, s'il y en a qui traînent dans le coin. Et sinon, rendez-vous dimanche soir ou pas. Et passez un bon week-end. Ciao, ciao tout le monde, salut.